monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Manu et je fais partie de l'équipe du studio de La Chapelle. Toutes les semaines, notre équipe travaille à enregistrer, monter et diffuser les dimanches en ligne comme celui que tu écoutes en ce moment. Notre objectif est de véhiculer le message de Jésus-Christ d'une façon accessible et pertinente, autant pour ceux qui le suivent depuis longtemps que ceux qui sont nouveaux dans la foi ou même juste curieux. Si le message te touche et que tu veux entrer en contact avec nous durant la diffusion, écris-nous en utilisant une des méthodes qui vont apparaître à l'écran. Un des membres de l'équipe pastorale te répondra dans les plus brefs délais. Aujourd'hui, à La Chapelle en ligne, nous avons la chance de recevoir le pasteur Jasmin Pierre, bienvenue de l'église Axe 21 à Sherbrooke. Mais avant d'écouter le message qu'il a pour nous, on loue Dieu ensemble avec La Chapelle Musique.
Salut La Chapelle en ligne, je suis vraiment excité aujourd'hui d'être avec vous et j'aimerais vous proposer qu'on puisse sauter immédiatement dans un passage biblique. J'aime la Bible, j'aime les histoires de la Bible, même s'ils ont été racontés il y a plus de 2000 ans par exemple, je crois qu'ils sont encore pertinents pour aujourd'hui. Alors ce que je propose, c'est qu'on puisse aller ensemble dans Luc 15 et par la suite, on va regarder ensemble comment ce message-là peut affecter notre vie à nous aujourd'hui. Donc, on y va, Luc 15, c'est parti. Le collecteur d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tout autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens, les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Alors Jésus leur répondit par cette parabole. Et maintenant, on va sauter tout de suite au verset 11. Puis il poursuivit. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Là, il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les courroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. » Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore une bonne distance de la maison, son père l'aperçut. Il fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu, contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Hey, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouvez, et mettez-le-lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons graissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, je l'ai retrouvé. » Ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère, il est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Mais son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service, mais jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois, tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu as été constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. » Mais il fallait bien une fête et nous réjouir puisque ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie puisqu'il était perdu et voici, il est retrouvé. Alors aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Délaisse la honte et danse ». Délaisse la honte et danse. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne me considère pas comme un très bon danseur. Donc, pour que tu me vois danser quelque part dans une fête, dans un mariage ou quelque part, ça prend un environnement très, 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 très sombre. Et puis qu'il y a assez de gens autour de moi pour que je puisse passer inaperçu. Et personnellement, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui sont à l'aise de danser en public. Tu sais, le genre de personnes qui sont dans un parc tout seul, ils se mettent un speaker, puis ils se mettent à danser ou faire la Zumba ou peu importe, ou des personnes dans des festivals sont tout seuls dans un rond et ils se mettent à danser au beau milieu des gens qui le regardent, mais cette personne-là danse sans honte. Moi, pour vrai, j'ai pas cette assurance-là. J'admire la confiance de ces personnes-là qui sont capables de danser. Peut-être que c'est toi. J'admire ton assurance et ta confiance en toi. Mais moi, personnellement, j'aurais beaucoup trop de honte pour faire ça. Et on peut vivre la honte même de différentes manières. Je sais pas pour toi comment tu vis la honte, mais on sait que c'est quelque chose qui peut arriver facilement. Pas seulement quand on danse et que les gens rient de nous, mais aussi, par exemple, quand on fait une gaffe, quand on fait une erreur, par exemple, ou on sait qu'on a blessé quelqu'un, rapidement, c'est facile de pas seulement se sentir coupable, mais d'être envahi de honte. Et c'est fou à quel point, lorsqu'on le sait qu'on a mal agi,
la honte vient. C'est facile de se mettre à douter de nous, même de transformer la vision qu'on a de nous-mêmes. Et l'histoire que j'ai lue là, juste quelques minutes démontre explicitement cette tendance qui, selon moi, beaucoup plus de gens qu'on pense vit avec la honte. Et le texte qu'on a lu commence avec Jésus qui est entouré d'un côté de mauvaises personnes, donc des vauriens, des gangs de rue, des gens qui volaient, des tas de la société, des gens qu'on appelait de mauvaise vie. Et de l'autre côté, on a des pharisiens, des hommes de la loi. Ça, c'était les pasteurs et les prêtres de cette époque-là. Et ces personnes-là, on les vénérait parce que c'était des hommes de Dieu, mais à l'intérieur d'eux, ils étaient complètement mauvais et tout croche. Et Jésus commence à leur raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme qui avait deux fils. Et l'histoire, grosso modo, nous raconte que, tôt ou tard, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais un des fils se dit en lui-même, « Pour vrai, j'aimerais ça vivre des expériences. J'aimerais ça peut-être essayer une vie nouvelle. J'aimerais ça aller à l'extérieur, expérimenter les choses de la vie. On dirait que je me sens plus confortable à la maison. Je me sens plus confortable à la ferme de la maison. Dans ma famille, je m'entends peut-être... Peut-être qu'il ne s'entend pas bien avec son père, ne s'entend pas bien avec son frère ou d'autres personnes, des employés, mais il dit, en tout cas, je veux partir. Alors, il se dit, comment je pourrais faire ça? Ben, il dit, peut-être que je pourrais aller voir mon père et lui dire, « Hey, pa, tu me donnerais-tu tout de suite ma part d'héritage? » C'est quand même fou, là. À ce moment-là, qu'est-ce que le fils est en train de dire? Il est en train de dire, « Hey, j'aimerais ça que tu sois mort. » C'est quand même fou de penser ça. Tout de suite, il est en train de souhaiter à son père qu'il soit mort pour qu'il puisse avoir immédiatement l'argent de l'héritage. Bref, le père accepte. Le père dit, c'est correct, je vais tout de suite prendre mon héritage, le diviser en deux, en donner à ton frère et je vais en donner à toi. Et à ce moment-là, le jeune homme part. Le jeune homme part avec son argent et il s'en va dilapider ça. Il s'en va vivre sa vie. Il commence à aller voir les prostituées, commence à faire la fête, commence à aller peut-être même consommer. Je ne sais pas, peut-être que ça, si c'était aujourd'hui, il serait allé à Vegas, il serait allé à Amsterdam, il serait allé à Dubaï, je ne sais pas. Mais il aurait profité de la vie, il aurait dilapidé tout. Et il arrive un moment où est-ce qu'il a tout dilapidé son argent. Il n'y a plus une scène. Il a tout gaspillé l'argent et là, il se dit... Mais là, qu'est-ce que je vais faire? Fait que, il dit, il faudrait que je commence à travailler. Et bien, à ce moment-là, non seulement il n'y a plus d'argent, mais il y a une famine qui arrive dans le pays et il ne sait pas quoi faire. Donc, il ne peut pas se nourrir, mais il dit qu'il faut que je commence à travailler. Donc, on l'envoie travailler avec les porcs. Et je ne sais pas si vous savez, là, mais à cette époque-là, on est dans une culture juive où est-ce que les porcs, c'est le pire animal. qu'on ne reconnaît même pas cet animal-là. Tout le monde déteste le porc, mais là, on dit, okay, tu veux travailler, va t'occuper des porcs. Va nourrir cette bête-là qu'on déteste. Puis, ah oui, en passant, si tu as faim, tu n'as même pas le droit de manger la nourriture qu'on donnerait aux pauvres. Et à ce moment-là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais à un moment donné, dans son cœur, il commence à dire que je ne peux plus vivre ça, je suis un idiot. Je suis un idiot alors que j'ai dilapidé tout l'héritage de mon père, alors que je n'ai plus rien pour me nourrir. Si j'avais resté dans la présence de mon père, dans ma maison, avec ma famille, mais aujourd'hui, je serais bien. Je mangerais pour vrai que je sois rassasié. Même les esclaves, les serviteurs de mon père mangent à leur faim, alors que moi, je suis ici, à même pas pouvoir manger la nourriture des porcs. Alors, il commence à se dire, OK, il faut que je retourne à la maison. Mais imaginez la honte. Il est là avec la honte sur lui, puis il dit, lui, il commence, je l'imagine, qu'il s'installe quelque part, il s'assoit sur une chaise, puis il commence à écrire peut-être, qu'est-ce que je vais dire à mon père? De dire, hey, Pache, je m'excuse. Ouais, c'est peut-être pas assez fort de dire ça. Il efface, puis il dit, OK, hey, Pache, j'ai vraiment vécu ma vie, c'était le fun, mais là, je veux arrêter. Ouais, non, je peux pas dire que j'ai vraiment trippé à ce moment-là, là, c'est comme un peu honteux. Donc, il se met à dire, OK, mon père, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Je ne mérite plus d'être appelé et même d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes serviteurs. Et voici quelque chose qui est intéressant ici. Le fils se dit deux choses. J'ai réalisé que j'ai péché contre toi et contre Dieu. Et la deuxième chose, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. On voit deux émotions ici, la culpabilité puis la honte. Mais il faut comprendre qu'il y a une grande différence entre la culpabilité puis la honte. La culpabilité se concentre sur les actions ou le comportement d'une personne, tandis que la honte s'en va sur l'identité. La culpabilité va dire « Désolé, je me rends compte que je suis coupable, j'ai fait une erreur, j'ai mal agi. »
Mais la honte est plus générale. La honte va jouer sur la valeur, l'identité. La culpabilité va dire « Hey, mes actions étaient mauvaises. » Mais la honte va plutôt dire « Je suis une personne mauvaise. » Et le fils dans l'histoire, on voit qu'il est rempli de honte. Parce que ça, la honte va agir dans son identité. Il va dire « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je n'ai même plus cette valeur-là. » Et j'aimerais dire aujourd'hui qu'il n'y a rien de plus dévastateur que la honte. Brené Brown, qui est une professeure et une chercheure en sciences humaines à l'Université de Houston, c'est une experte sur le sujet de la vulnérabilité de la honte. Elle a étudié ça pendant plus de 20 ans. Et voici ce qu'elle dit sur l'émotion, sur la honte. La honte est l'expérience profondément douloureuse de croire qu'on est défaillant et par conséquent indigne d'amour, d'intimité ou de contact. La honte est une émotion sociale parce qu'elle est la manifestation de la peur de perdre le contact avec autrui. Nous sommes psychologiquement, affectivement, cognitivement et spirituellement programmés pour le contact, l'amour et l'intimité. Nous sommes psychologiquement, affectivement, cognitivement et spirituellement programmés pour le contact, l'amour et l'intimité. La honte vient nous empêcher de vivre le vrai contact, l'amour et l'intimité qu'on peut avoir avec les gens. Mais pas seulement avec les gens, mais également avec Dieu. Le fils, à ce moment-là, a tout dépensé l'argent que son père lui a donné. Puis il va dire à son père, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne mérite plus d'être à ta table. Je mérite même pas d'être considéré comme un de tes fils. Traite-moi comme un esclave. Je ne mérite même plus ton amour. » Donc la honte le pousse à s'isoler, à se rabaisser, à se flageller lui-même. Et je serais curieux, en fait. En fait, des statistiques vont démontrer que beaucoup d'entre vous présentement qui écoutent en ligne, la chapelle en ligne, que beaucoup d'entre vous, vous gardez un secret à l'intérieur. Vous gardez peut-être un comportement, quelque chose de honteux que vous gardez caché. Puis que cette chose-là crée en vous tellement de honte que vous aimeriez pas que les gens le sachent. Et là, vous vous cachez. Et la honte peut dire ceci. Hey, Dieu, c'est vraiment quitté, hein? T'as-tu vu comment t'arrêtes pas de compter des mensonges? Comment t'es un menteur, une menteuse? T'as-tu vu comment t'es fake? À quel point tu portes des masques? Qu'est-ce que tu fais à regarder la chapelle en ligne? Qu'est-ce que tu fais même à te présenter à la chapelle ou dans une église? Tu veux faire à croire que t'es une personne spirituelle alors que regarde qu'est-ce que t'as fait dans les dernières semaines, dans les derniers jours? Comment t'oses même peut-être écouter de la louange, puis chanter de la louange, puis même oser lever les mains dans la louange et dire à Dieu à quel point tu l'aimes? Penses-tu vraiment que Dieu va t'écouter? Penses-tu vraiment que Dieu t'aime? Je pense plus qu'il t'a en dégoût. Et là, peut-être que t'entends ça. Peut-être que t'étais là ce matin, t'écoutes, puis pas ce matin ou aujourd'hui, puis t'écoutes, tu dis, hey, écoute, j'avais pas ce sentiment de honte-là, mais à l'instant que t'en parles, puis que tu me dis ça, peut-être un peu, mais mon but, c'est pas là. Je vais arrêter ici, mais j'aimerais dire que cette voix-là qu'on a tendance à entendre, c'est jamais, au grand jamais, la voix de Dieu. C'est la voix de la honte. En fait, la honte va toujours chercher à te disqualifier. Mais pourtant, la voix de Dieu va toujours chercher à te qualifier. On a tous déjà vécu ça. Je suis convaincu, chacun d'entre nous, on vit une situation difficile et là, on a tendance à s'isoler. On vit un moment de dépressif ou d'anxiété chronique, peu importe. Là, on a de la honte reliée à ça, donc on va avoir tendance à s'isoler. Peut-être que tu as une lutte avec une certaine dépendance, puis là, ça revient, donc tu as tendance à t'isoler. Peut-être que tu as vécu un abus quelconque, et quand on vit un abus, on a tendance à s'isoler. On s'isole de notre entourage. Même quand la personne est croyante, va des fois avoir tendance à s'isoler de l'Église. Puis pourquoi? Parce que la honte amène constamment la peur du jugement des autres. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et de fausses pensées qui nous habitent, de dire, « Hey, on va me juger, Dieu ne veut plus de moi, c'est fini, je ne vaux rien. » C'est pourquoi les experts qui ont étudié le sujet de la honte, comme Brené Brown, vont dire que le remède contre la honte, c'est la vulnérabilité et l'empathie, d'être vrai, d'être authentique et d'accueillir les autres, même dans leurs plus grandes blessures ou difficultés. Et quand on partage l'empathie avec quelqu'un qui vit de la honte, ça guérit la honte. Brené Brown va dire ceci, puisque la honte est une blessure sociale, elle se guérit socialement, ensemble,
en groupe. Et j'aimerais dire aujourd'hui que l'Église ne devrait pas être l'endroit où tu ressens le plus de honte. Dans la présence de Dieu, ne devrait pas être l'endroit où tu ressens le plus de honte. Mais l'Église ou dans la présence de Dieu devrait être l'endroit où ta honte est chassée. L'endroit où tu te retrouves, où tu retrouves un amour, une acceptation, une empathie comme jamais. Et mon cœur, pour vous, la chapelle, c'est que cette Église-ci soit reconnue comme où est-ce que les gens peuvent rentrer ou même écouter la chapelle en ligne, être couvert de honte, mais alors que vous écoutez, alors que vous êtes parmi l'Église, entouré de frères et sœurs, à ce moment-là, la honte est chassée, la honte est brisée, mais que, puis que vraiment, vous centrez sur Jésus-Christ, vous dites, « Hey, maintenant, je suis aimé, accepté, pardonné. » Et ça, c'est mon cœur pour vous, la chapelle. Et on va continuer dans l'histoire. Le jeune homme revient vers son père, couvert de honte. Et je l'imagine qu'il marche vers la maison, la tête basse, complètement honteux, puis dit, hey, je ne vaux rien. C'est clair qu'on va me rejeter. Pour qui tu te prends de revenir vers ton père comme ça? Alors que le fils, l'histoire nous raconte que le fils est à une longue distance, Jésus raconte que le père se met à courir vers son fils pour l'embrasser, le prendre dans ses bras. Et j'aimerais faire une parenthèse ici. Je vous rappelle qu'au moment où que Jésus raconte cette histoire-là, il est entouré de pharisiens et de personnes de mauvaise vie. Et à cette époque-là, c'était pas coutume, en fait, c'était honteux de courir. C'est bizarre, là. Aujourd'hui, on lit ça et on fait comme, ben oui, son père a couru. Dans ce temps-là, les hommes portaient des toches, comme des robes, par exemple. Et pour courir, il fallait lever la robe, lever la toche et se mettre à courir. Et là, c'était honteux de faire ça parce qu'on voyait tes jambes, on voyait tout. C'était comme considéré comme une impureté. Mais la Bible nous dit qu'à ce moment-là, le père court, il saute au cou de son fils. Et à ce moment-là, ça nous dit que le fils commence à faire son speech. « Oh Dieu, oh pas Dieu, oh, mon père, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et ça nous dit que le père n'écoute même pas le speech de son fils. Il n'écoute même pas, puis il dit « Hey, oh, oh, oh! » Il rencontre, il embrasse son fils. Puis là, oh, oh, tu sens le péché. Oh, tu sens la faute. Oh, tu sens la porcherie. Tu sens les prostituées. OK, OK, hey, 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 tout le monde. Mon fils a besoin de nouveaux vêtements, OK? Il est dégueulasse, il pue présentement, il sent la porcherie. OK, apportez des nouveaux vêtements, apportez des nouveaux bijoux. Ah, puis toi, va chercher des sandales. Amène-y des nouvelles sandales. Puis toi, va chercher le veau gras qu'on engraisse, là, la grosse bête. Puis s'asseoir, on fait un michoui, on fait un party parce que mon fils est revenu, on fait le party. Woo! je sais pas si c'est juste moi, mais voyons donc. Tu fais la fête, tu fais un party. Là. On s'entend ici, là, on ne fête pas le retour d'un soldat qui a défendu son pays à la guerre ou un athlète olympique qui est revenu avec la médaille d'or. On parle ici d'un abruti. On parle ici d'un idiot après tout ce qu'il a fait. Puis, alors que je lisais cette histoire-là dernièrement, je réalisais pour la première fois qu'il n'y avait pas beaucoup de versets entre le moment où le fils revient vers son père en disant qu'il était honteux puis qu'il est couvert il se sent coupable, et le moment où qu'on le retrouve sur une piste de danse. Est-ce qu'on réalise l'absurdité de l'histoire? L'histoire que le père est comme « Wouh! Yeah! Mon fils est revenu! Party! » Combien de fois chacun d'entre nous on peut se retrouver dans une situation dans la semaine puis se dire « Hey, j'ai encore merdé. Comment j'ai pu faire encore la même niaiserie? J'ai encore fait la même erreur. J'ai encore retourné dans ma dépendance, dans mon addiction. Encore une fois, je me sens comme j'ai mal agi. J'ai encore les mêmes mauvais désirs en dedans de moi qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. » Et on se dit que, ah, je sais Dieu, basé sur ce que t'es, toi t'es saint, moi je suis pécheur. T'sais, je sais qu'est-ce que j'ai fait, puis j'ai encore merdé, je suis encore... Hey, en plus, je suis un leader dans l'Église. Je ne peux pas faire ça. Hey, en plus, je suis un bénévole à l'Église. Plus, j'y agis encore dans ma... Hey, je suis dans l'équipe de louange. Puis, j'ai agi comme ça. Hey, pour vrai, comme Dieu, je réalise que je suis une mauvaise personne. Puis, je ne suis même pas digne d'être dans ta présence. Puis, garde, je le sais, Dieu. C'est correct, je comprends. À partir de maintenant, je sais que ça ne sera plus pareil entre toi et moi parce que j'ai encore péché, j'ai encore tombé, j'ai encore fait de mauvaises actions. Et là, on pense que ça... C'est noble. On se couvre de honte et on pense que c'est une bonne attitude, puis que c'est sage même, puis on pense que Dieu pense de la même manière qu'on pense, puis que Dieu nous voit se dire des choses comme ça, puis fait comme, ah ouais, continue de couvrir de honte, c'est bon. Ouais, c'est ça que je veux pour toi. Allez, couvre-toi de honte. Crois à quel point tu es une mauvaise personne.
Mais Dieu n'est pas comme ça. Jésus nous raconte une histoire qui est complètement illogique et scandaleuse pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Mettons qu'on prend 2 minutes, là, on s'amuse, OK? On prend 2 minutes pour s'imaginer. Combien de temps ça a pris entre que le fils revienne et qu'après ça, il soit sur une piste de danse? Combien de temps? 1 heure? 2 heures? Le temps qu'il change, qu'il prend une douche? OK, mettons 3 heures. Il change, on part le barbecue, le michoui. Mettons 3 heures. Entre le moment où il revient à la maison, honteux, couvert de honte, dégueulasse, il sent la porcherie, et que 3 heures après, on le retrouve dans une grange derrière la maison avec son DJ préféré. Puis il danse. Wouh! 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 C'est illogique. Puis si moindrement vous êtes familier ou familière avec cette histoire-là, vous avez sûrement déjà entendu un message sur le fils aîné, son grand frère, qui refuse même de participer au party puis qui refuse de se réjouir. Puis là, des fois, on va être là, on va dire, hey, à quel point son grand frère, il ne comprend pas, il est ingrat, il manque de pardon. On ne devrait tellement pas être limité puis être comme lui. Mais on va se le dire aujourd'hui, là, la seule personne logique dans toute cette histoire-là, c'est le fils aîné. C'est lui qui comprend. Puis lui, il voit ça de loin. Il fait comme, voyons, c'est donc bien illogique. C'est une joke, là, qu'est-ce qui se passe? Lui, il revient de même. Puis là, tout d'un coup, il danse sur le rip de Calvin Harris. Puis il trippe. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Est où la restauration, hein? C'est où le fruit de la repentance à ce moment-là, hein? Hein, dans ton histoire, c'est où que, hein? Est-ce qu'on sait vraiment s'il était vraiment sincère? Tu sais, ça prend 3 heures, puis il danse. On sait-tu s'il était vraiment sincère dans son cœur? S'il était vraiment comme repentant? Mais le père, pas seulement le fils, mais le père aussi, il est comme sur le dance floor avec son fils. Wouh! Mon fils est revenu! Party! Wouh! Le dance floor, il est en feu aujourd'hui! Yeah! Combien de fois on peut avoir cette attitude-là du grand frère quand on voit quelqu'un revenir à Dieu? On voit quelqu'un revenir à Dieu, puis on se dit, bon, check-les. Check-les qui revient à l'église. Regardez qui revient dans le 5 à 7. Regardez qui revient, lui. Il devrait être couvert de honte après ça. C'est quoi, il est allé profiter de la vie, puis tout ça, puis d'un coup, il revient, puis on devrait l'accepter. Puis on le regarde, puis dans notre tête, dans notre cœur, si on est vraiment vrai ensemble, on se dit, hey, tu devrais avoir honte. On souhaite la honte à cette personne-là. On souhaite le rejet. On souhaite le silence. On souhaite l'isolement à cette personne-là. Regarde, regardez comment on agit, là. Mettons, on se met ça dans le contexte de l'histoire. C'est comme si on disait, OK. Regarde, tu peux revenir à l'église, tu peux revenir à la maison, mais regarde, assis-toi là, assis-toi sur le côté, là, puis regarde-nous danser. Puis toi, réfléchis à tes actions. Okay? Et puis quand, là, comme, quand tu vas avoir assez réfléchi, pendant que nous, on danse, puis on profite, quand on va juger que tu vas avoir assez été repentant, lève la main. Lève la main, on va venir te voir, on va avoir une discussion, on va se te réaliser à quel point c'est honteux qu'est-ce que tu as fait. Puis à ce moment-là, si on juge que ton cœur est sincère, bien, tu vas pouvoir venir danser avec nous, les purs, les parfaits, les chrétiens selon le cœur de Dieu. C'est ridicule, hein? Mais j'aimerais vous encourager, La Chapelle. Nous encourager, m'encourager, moi, de jamais avoir l'attitude du grand frère. Même si j'ai le désir souvent, même cette pensée-là dans ma tête, je ne dois jamais les entretenir. Même quand je vois quelqu'un qui était avec nous dans notre famille, qui était dans notre 5 à 7, dans notre église, puis à un moment donné, pour X, Y raison, il est reparti. Il a vécu des difficultés, des épreuves, peu importe. Puis là, tout d'un coup, il revient. Puis là, tu as l'impression que dans ta tête, tu as le goût de le juger. Tu as le goût de le critiquer. Tu as le goût de le mettre de côté. J'aimerais juste te donner un truc. Alors que toi, tu es sur le dance floor en train de profiter. Ressaisis-toi, ferme-la, s'il faut même, ferme tes yeux, puis continue de danser. Continue de danser, puis occupe-toi pas de cette personne-là, parce que c'est pas de nos affaires, c'est l'affaire de Dieu, c'est l'affaire du Père. Mais avouons ensemble à quel point qu'on n'aime pas parfois comment les gens viennent à Dieu, comment les gens viennent à Jésus.
En fait, tu sais, on va tous être comme ça. Quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans l'église, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas Jésus. Puis là, il arrive pour la première fois à l'église ou qui arrive dans notre entourage, notre 5 à 7, on est comme « Hey, bienvenue, viens à l'église. Hey, on t'aime, on t'accepte tel que tu es. Hey, t'es sale, t'as fait des fautes, t'as des dépendances, t'as vécu des grosses épreuves dans la vie. Hey, c'est pas grave. Dieu t'aime, on t'aime. On va te donner une nouvelle robe, on va t'accueillir, on va donner des bijoux, on va donner des souliers, on va te donner une tasse, la chapelle, on va donner une casquette, un chandail. Et puis là, on va faire comme, hey, laisse pas la honte te couvrir. Dieu t'aime, Jésus est mort pour toi. Let's go. Viens sur le dance floor avec nous, puis danse. Danse dans la présence de Dieu. Let's go. Danse, mon ami. Mais quelqu'un qu'on sait qui connaissait Dieu, qui connaissait Jésus, quelqu'un qui se disait chrétien, puis que pour X, Y raison, il s'est détourné, puis qu'il revient, wow, tu peux pas revenir comme ça puis te mettre à danser. Non, je vois pas pourquoi tu danses, sale petit pécheur. Tu devrais pas danser, tu devrais plutôt être couvert de honte. Si j'étais toi, je me calmerais, je prendrais le temps de respirer, de repenser à toutes les niaiseries que tu as faites. Puis après ça, tu reviendras danser. Tranquillement, tu vas pouvoir intégrer le dance floor sur le côté. Après ça, avec 2-3 personnes. Puis après ça, tu pourrais revenir au milieu du dance floor un coup qu'on a vraiment vu la repentance dans ta vie. Je peux-tu vous poser une question aujourd'hui? Qu'est-ce que le jeune homme célèbre sur le dance floor? Quelle est sa raison de danser sur le dance floor? À cause qu'il a bien agi? Non, il ne peut pas danser à cause de ça. À cause qu'il y a eu une bonne gestion financière? Non, il a tout dilapidé. Au moins, il avait mis ça dans des REER. Et non. Sa sagesse, à quel point qu'une sagesse et une compréhension de la vie phénoménale? Non! Il y a une seule raison pourquoi le fils peut être là, sur le dance floor, en train de danser. C'est parce que son papa l'accueille et l'aime encore. Parce que son père l'aime et l'accueille. C'est la seule raison pour laquelle il peut danser. Et alors que je termine, j'aimerais te poser une question. Est-ce que toi, dernièrement, t'aurais arrêté de danser? Est-ce que t'aurais arrêté de danser? À cause qu'une certaine honte t'habite, que tu gardes secret, il y a quelque chose à l'intérieur de toi, une mauvaise action, une dépendance, quelque chose qui t'empêche de venir devant Dieu et de te sentir complètement libre, de goûter à la présence de Dieu, de venir devant lui, puis même toi, tu t'isoles, puis que ça t'empêche, puis là, tu fais juste regarder les autres danser, puis tu te dis, je me rappelle la journée que je dansais, je me rappelle quand moi, j'étais là, j'aimerais tellement ça y aller, mais maintenant, je me sens pas digne. Est-ce que la honte t'empêche vraiment de sentir l'amour et l'acceptation de Dieu aujourd'hui? Et vous savez, quand on regarde cette histoire-là, là, on pense tellement que l'histoire centrale, en fait, que le personnage central de l'histoire, c'est le fils. Mais cette histoire-là n'est pas à propos du fils. Cette histoire-là est à propos du père. Cette histoire-là est à propos de l'attitude du père. Parce qu'on pense que tout est à propos du fils et la honte qu'il doit subir, mais j'aimerais juste qu'on puisse voir la honte tout le long de l'histoire est sur le père. Qu'on commence par exemple, la honte d'un père que son fils vienne le voir et qui lui dit « Hey, j'aimerais que tu sois mort parce que j'aimerais avoir tout de suite mon héritage. » Quelle honte pour un père de vivre ça, que ton fils vienne te dire ça. Et quelle honte même pour le village autour à cette époque-là de savoir que ton fils, c'était honteux que ton fils vienne te demander l'héritage avant même que tu meurs. Et le père réussit. Le père réussit. Il réussit puis il dit, « Gars, je vais te le faire, je vais te le donner. Je vais réussir, je vais ramasser toutes mes affaires. » Puis il donne la partie d'héritage à son fils. À ce moment-là, le père, c'est la risée du village. Voyons, il faut que tu sois un père mou pour faire ça, là. Donner la partie d'héritage à ton fils qui te le demande. Mais ça finit pas là. Le père encore a pris la honte. A pris la honte la journée que son fils est revenu. À ce moment-là, son fils aurait dû être excommunié, d'être exclu de la famille, mais pas juste de la famille, mais du village. Mais là, son fils revient. Mais son père, non seulement l'accepte encore, mais court vers lui. Deux fois encore, le père prend la honte sur lui. Il court vers lui, rempli de honte, mais par la suite, il l'accueille puis il le ramène dans la famille. Quelle honte, à ce moment-là également, pour un père de famille, de reprendre son fils. C'est complètement honteux. Tout le long de l'histoire, le père prend la honte sur lui pour que son fils soit libre,
pour que son fils soit libre. Et ça, c'est l'histoire de la Bible, guys. C'est l'histoire de l'Évangile. C'est l'histoire, la merveilleuse histoire de la bonne nouvelle de Jésus. Alors que nous, on était coupables de nos fautes, de nos manquements, de nos échecs, de nos dépendances devant Dieu. Le Père, lui, a dit, c'est quoi? Oui, théoriquement, tu devrais avoir honte. Mais moi, je ne veux pas que tu restes avec la honte, donc je vais prendre la honte à ta place. Et c'est pour ça qu'il a décidé de dire, c'est quoi? Je vais envoyer mon fils Jésus prendre la honte qui t'est due pour qu'il puisse la prendre sur lui à la croix pour que toi, tu puisses te retrouver complètement libre dans ma présence. Encore une fois, l'histoire de la Bible, pas juste dans l'histoire de Luc 15, mais l'histoire de la Bible, c'est Dieu, le Père, qui prend la honte sur lui pour que nous, on puisse danser dans sa présence. C'est vrai que chacun de nous, on est coupable. Romains 3, versets 23-24 nous dit ceci. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Wow! On est tous privés de la gloire de Dieu, mais on est sauvés, rachetés par l'amour du Père et grâce à Jésus-Christ. Et j'aimerais dire aujourd'hui, oui, peut-être que tu as des échecs, oui, peut-être que tu as des fautes, tu as des dépendances, mais ne sois pas couvert de honte, mais reviens dans la présence de Dieu. Reviens danser dans la présence de ton Père. Reviens là, puis n'aie pas peur du jugement des autres. N'aie pas peur parce que Dieu t'accueille, Dieu te prend. Il veut prendre la honte sur lui. En fait, il a déjà pris la honte sur lui. C'est pourquoi que 2 Corinthiens 5, 17 nous dit ceci. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » J'aimerais dire aujourd'hui, si tu aimerais accéder à Dieu le Père, qui est un amour inconditionnel, qui est prêt à te reprendre, mets ta foi en Jésus, qui a pris la honte à ta place, qui a pris tes échecs, qui a pris ton fardeau, afin que toi, tu puisses te retrouver dans la présence de Dieu. Si c'est toi aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à mettre ta foi en Jésus, de dire oui, je crois en Jésus, oui, je crois qu'il a pris ma honte, qu'il a pris mes échecs. Et aujourd'hui, grâce à Jésus, tu peux te retrouver dans la présence de Dieu, puis danser, danser. Et dernièrement, j'aimerais juste te dire, si c'est toi, tu te considères comme un chrétien. Et tu le sais qu'à cause de tes mauvais manquements, de tes échecs, de tes dépendances, à cause que tu t'es juste détourné dernièrement, puis tu n'oses même pas aller à la chapelle en personne, tu l'écoutes en ligne parce que tu as peur du jugement des autres. J'aimerais juste te dire que si tu as mis ta foi en Jésus, Romains 8, 1 nous dit ceci, « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de honte, il n'y a plus de culpabilité. Reviens dans la maison, reviens vers Dieu le Père, reviens dans sa présence. Et si c'est toi aujourd'hui, délaisse la honte au pied de la croix et reviens vers Jésus, retourne chanter, retourne sur la piste de danse. Alors que maintenant, on va aller dans un temps de louange, j'aimerais t'encourager, alors que tu es à la maison, dans ta voiture ou peu importe, lève le son et chante. Chante et va avec ta pleine liberté dans la présence de Dieu, sans honte, sans culpabilité, parce que Dieu le Père t'a pardonné et a pris ta honte. Laissez-moi prier pour vous et par la suite, on va aller en louange. Père éternel, j'aimerais juste venir devant toi pour te remercier quel Père aimant tu es pour chacun d'entre nous. Alors que cette histoire-là nous démontre clairement qui nous sommes devant toi. Alors qu'on s'est détourné tellement de fois de toi, on a voulu vivre notre vie sans toi. Mais alors qu'on revient vers toi, t'es là, tu nous prends dans tes bras, tu nous aimes et tu nous sers dans tes bras. Tu dis, viens, on va fêter ensemble, on va danser dans ma présence. Dieu, je te prie qu'aujourd'hui, qu'il y ait de la honte qui puisse être brisée dans la vie de plusieurs personnes. La culpabilité et qu'aujourd'hui, ça soit une journée de liberté, une liberté de dire « Je reviens à toi, Dieu, je reviens à toi, je reviens dans ta présence et je laisse la honte de côté parce que je sais que tu l'as pris à ma place. » Donc, Père, merci d'avoir pris ma honte, merci d'avoir pris ma culpabilité et qu'aujourd'hui, je peux me retrouver dans ta présence libre, aimé et pardonné. Et qu'aujourd'hui, Dieu, que notre cœur puisse être en louange et en adoration devant toi pour ce que tu as fait pour nous et qu'aujourd'hui, je puisse me sentir complètement libre, qu'on puisse se sentir complètement libre dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, allons célébrer Dieu, allons louer Dieu ensemble et dansons dans la présence de Dieu.
insondable mystère. Amour venu sur terre, vainqueur de nos frontières, tu t'es révélé à nous. Insaisissable grande, amour divin créateur, par ton esprit dans nos cœurs, viens te révéler à nous. Revêtu de lumière éclatant de gloire, tu restes le Éclatant de gloire.
je prosterne. Tu es assis à la droite du Comme Jasmin l'a dit dans son message, si tu as arrêté de danser à cause de la honte que tu ressens ou de tes échecs, je t'invite à venir dans la présence de Dieu. Comme le père de la parabole dont on vient de parler, il va t'accueillir à bras ouverts. Tu peux aussi nous écrire et un membre de l'équipe pastorale se fera un plaisir de t'accompagner dans ta démarche.
c'est maintenant le moment de te parler de générosité. Premièrement, merci à tous ceux qui donnent généreusement semaine après semaine. Ce sont tes dons qui nous aident à vivre l'Église les dimanches, en ligne et en personne, et à faire une différence autour de nous. Si tu appelles La Chapelle ton Église, je t'invite à donner ta dîme de façon régulière. Tu peux donner de façon automatique en allant sur notre site web ou notre application mobile. C'est facile, sécuritaire et ça fait une réelle différence. La Chapelle, c'est pas juste le dimanche. En semaine, il y a plusieurs façons dont tu peux vivre ta foi. Il y a nos 5 à 7, nos petits groupes qui se rencontrent en semaine pour connecter, prier et échanger sur la Bible ensemble. On a des groupes dans toutes les villes où on a une chapelle et même ailleurs. Pour t'inscrire, tu n'as qu'à aller sur le site web de La Chapelle sous l'onglet 5 à 7. Il y a bien entendu nos dimanches en personne à Montréal, Québec et à Gatineau. Au-delà du message et des chants, on prend toujours le temps de connecter les uns avec les autres. Enfin, tous les dimanches, on se connecte virtuellement dans l'after pour discuter du message et échanger ensemble. Tu peux te joindre à nous en cliquant sur le lien que tu trouveras sur notre site web sous l'onglet After. Merci d'avoir été là aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est le pasteur Jean-Philippe Baudry qui apporte le message en ligne et à Québec, alors que la Chapelle Montréal reçoit Luc Dumont aux réunions du matin et du soir et que le pasteur Josias Laporte est à Gatineau. Où que tu sois, joins-toi à nous. Mais tout de suite, on se voit dans l'after. Bonne semaine. Thank you.